وين سيد دي تسوالين تي كيو 5 تي كنت نظن نغلى الدنماذ بروفيسور حسين يحيى تي كلتا نمسلايا في يوثن تذيان تي كي دي ضغان والسنة كي دي تجا دي نويو كي يونيو غا يقي من ألم غا تجا غا ماشي ما تشتا سيدي هضرن في اللاس ذاك ذاك لم منقر ألغ مؤسر ذا سير دي زيكزاسيس ميليتاري

اكتسم باس انت مو بنين، يشبان بينين كوت ديفوار جيبوتي ارتاكا والكابون ليبيريا وغاد لا ليبير في لاديكس لي زرايال في لاديكس النيجر الباكستان بولوند توغو كاتار يونيون افريكان كي واحد زال 80000 لي زوبسيرفاتور ايلين ديك الارموكي اسير داسير دان شكاي جناهات الجزائر ديال الحرس سيميان الجزائر توعزل دو بارتو ايزولي دو بارتو ذا شكي غنوي امس لاي اكذا الحسين يحيى ميناء ازول في لاي ازول رشيد ازول مرا امس في لي ازول قبيل النار غي مازي غن ذوك ذا uh, شوث ذا شوث سموغلين نا ثا موغلين بروفيسور حسين يحيى فين امي سمان كاكير افريكا لاين 2022 كيكي سمان لوبيراسيون يكي الحسين ذا شوث سموغلينك Oui, il n'y a pas beaucoup de journaux, il y a pas beaucoup de c'est des exercices importants, en fait, c'est les exercices militaires en Afrique qui sont pilotés par le Maroc et les États-Unis. C'est important de le souligner là, que le bal a été lancé d'ailleurs, l'inauguration de ces exercices euh, par euh, le général Belkhir Al farouk qui est le deuxième, euh, le deuxième numéro deux de l'armée marocaine, et puis il a, un, euh, il a fait un discours sur la, la, la signification et le sens de, ce, de ces exercices-là. Il avait dit que ça vise essentiellement pour euh, se préparer aux menaces transnationales et aux organisations extrémistes violentes. C'est quoi ces menaces internationales En fait, on, on voit la situation géopolitique actuelle. Euh, L'Algérie, le Zaïr, malheureusement, elle est de, dans le camp de, de, de la Russie. Hein, on sait qu'il y a une tension extrême avec la, la guerre Ukraine-Russie. Et l'armée algérienne, elle est considérée par les Russes en tout cas comme une puissance supplétive. supplétive. Et c'est eux qui arment l'Algérie depuis, depuis toujours. Et donc, elle peut constituer effectivement en fait la Russie. On ne sait pas comment ça va se, se tourner cette guerre là avec l'Ukraine, mais dans tous les cas, en fait, je pense que l'OTAN et puis les États-Unis, donc les pays nés de l'Ukraine, ils se préparent à une, à une éventuelle menace aussi de la Russie à travers l'Algérie, qui utiliserait l'Algérie pour menacer la région. Donc c'est c'est ça un peu euh, le, la justification euh, qui donne. Maintenant, sans... Euh, m. le euh, professeur Houssin Nihian, M. Walid

c'est vrai ce que tu dis, euh, la Tunisie, le Maroc, en fait les pays du Sahel, c'est par sa politique algérienne, là, là, sa politique euh, de, de la islamisme, oui. qu'il l'a conduit tranquillement pas vite là, comme on dit, vers un isolement total. Là, il va être de plus en plus cerné, parce que c'est euh, en fait euh, regardons maintenant la question déjà militaire. L'Algérie, elle est euh, il est classé comme la sixième, en fait, puissance, pas puissance, mais la, la sixième armée du monde. Il, il, a, il a acheté énormément d'armes. Ça fait longtemps qu'elle s'approvisionne comme ça en Russie. Il, y a un, euh, euh, il est classé dans le top. Récemment, il y a un rapport qui a été publié le 19 juin, donc il y a quelques jours, qui classe l'Algérie parmi les pays les plus armés au monde le, le, en 2022. Là, c est, il est classé comme la sixième. Le sixième pays, donc qui est le plus armé, en tout cas celui qui dépense le plus dans son, euh, comment on appelle ça, euh, par rapport à son produit euh, intérieur brut, l'Algérie dépense euh, 6,7% de son PIB dans l'achat d'armement, ce qui la place au sixième pays au niveau mondial. Euh, donc c'est quand même, euh, c'est pas rien. Donc, pour l'OTAN, pour les États-Unis, pour le Maroc, enfin pour tous les riverains, c'est une menace potentielle, même militaire. Donc, c'est. Euh, tu sais, il y, a, il y a juste des pays comme ceux qui sont devant l'Algérie c'est la Corée du Nord, Oman, l'Arabie Saoudite et tout ça. Mais dépenser comme ça 6,7 c'est. Oh, en termes d'argent, je crois que c'est environ peut-être 10 milliards de dollars par année. Alors la question que peut se poser le commun des mortels, à quoi ça sert toutes ces armes L'Algérie n'est pas dans un conflit ouvert actuellement, enfin jusqu'à maintenant, avec une puissance. À quoi se cumule cet ce, ce d'armement depuis des années Ce n'est pas juste cette année-là, c'est depuis euh, les 30 les dernières années. Elle dépense bonhomme à l'an autour de 10 milliards de dollars d'armement. Est-ce qu'elle achète des armes jetables à knekar ou, ou, ou elle est, elle est en train d'approvisionner peut-être ces groupes terroristes -là dont parle le, le général Marocain Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens 10 milliards de, de dollars chaque année. Ces armes-là, elles ne vont pas toutes au Polisario, et puis le Polisario ne pas, ne livre pas des batailles tous les jours. Là, en Maroc, il fait quelques embuscades comme ça, symboliques. Mais toutes ces armes, elles vont où Peut-être qu'on va les retrouver dans ces, ces groupes-là qui menacent les organisations extrémistes violentes. Mais quand on parle d'organisations extrémistes violentes, on entend parler des organisations islamistes. Il n'y a pas d'autres d'organisations extrémistes en Afrique. Donc, eux, oui, ils sont, ils sont armés jusqu'au dents, Ils mènent des attentats régulièrement, que ce soit pas plus tard que cette semaine, au Mali, au nord du Mali, donc à la frontière algérienne. Il y a eu, 100, je pense, 132, 132 morts civils tués par ces extrémistes-là, au centre du Mali, à Diala, Sagou et puis Bancas. Ils mènent des opérations à tous les jours, ces groupes-là que ce soit au Mali, que ce soit au euh, Burkina Faso, que ce soit au Nigeria. Et ces groupes-là, si, si on se souvient bien, il y a quelques années, en 2013, il y a eu une attaque d'un de ces groupes-là, en Algérie même, à Tegenturin. À Tegenturin, où il y a eu beaucoup d'otages étrangers qui, sont, qui ont été assassinés. Il y a, je pense, une trentaine d'étrangers. Et Tegenturin... De, de la bouche même des observateurs à l'époque euh, internationaux, ils avaient des armes sophistiquées, ils avaient des roquettes, ils avaient des lance-missiles. Avaient... Donc c'est sûr que ça, ça justifierait peut-être cet achat massif d'armement en Algérie, et qui constitue une menace, je dis bien une menace, aussi bien pour le, le Maroc que pour toute la région.

L'internalisation de cette question que l'Algérie essaye depuis 60 ans de, de maintenir comme un problème interne. Et là, il euh, grâce à la diaspora, grâce à tous les, les militants islamiques pour euh, faire connaître ce, cette réalité de, de l'Algérie. Maintenant, si tu permets, Arachid, juste pour peut-être ouais, euh, aller un peu plus loin sur pourquoi ces manœuvres militaires de 150 aussi, qui, ces puissances là occidentales ne sont pas, ne sont pas fous. Ils ont leurs experts, ils ont leurs analystes, ils ont leurs espions et tout ça là. Ils savent que s'il y a une menace quelconque contre l'Occident aujourd'hui en Afrique, c'est l'Algérie. Pourquoi euh, Parce que on voit que tous ces groupes extrémistes, ils ont un, un point commun, c'est l'islamisme international. Ok, c'est l'islamisme extrémiste. Et l'Algérie. En fait, elle poursuit sa feuille de route depuis qu'ils ont fait le coup d'État il y a 60 ans, le système algérien. La feuille de route d'aller vers un projet d'islamisation, d'arabo-islamisation de toute l'Afrique magique, l'Algérie, hein mm -hmm. toute l'Afrique et le monde entier même. Ils ont une prétention expansionniste à l'échelle planétaire. On se rappelle tout là, l'exemple, par exemple, si on parle du terrorisme islamique en Afrique aujourd'hui, qui menace tous les pays africains, il est venu d'où il est venu à partir d'Algérie. D'Algérie, on le sait tous, que le système algérien avait avait financé des frères musulmans depuis que Nasser lui a envoyé un renfort, un bataillon, dans les années 60 après l'indépendance. Mm -hmm. Et depuis, ils poursuivent la même toujours la même feuille de route sur cet islamisme. Ils ont instrumentalisé cet islamisme en Algérie. Et puis euh, ils ils en ont fait après livrer une guerre, une espèce de djihad, celui qui a coûté 300 000 vies en Algérie, ce qu'ils ont appelé la décennie noire, n'est-ce hein, pas? Et tout le monde entier avait les yeux rivés là-dessus pendant une dizaine d'années. Ils se sont livrés à un djihad moderne où ils ont massacré 300 000 personnes. Et euh, au bout de la ligne, au bout de la ligne tout le monde le sait, il y a aussi ça, là, parce qu'il n'y a eu jamais d'enquête aussi internationale, mais c'était les services secrets algériens qui manipulaient tous ces groupes-là en Algérie. Et au bout en 2000, Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait Ils ont abdiqué, abdiqué à cet islamisme international. Ils, leur ont, euh, ils, les ont ils les ont amnestiés des sanguinaires qui ont tué 300 000 personnes. Ils ont bénéficié d'une amnestie encore plus que ça. Euh, Al -Hussein, Al -Hussein, non seulement ils ont bénéficié de beaucoup d'avantages, mais aussi ils leur ont livré toutes les institutions à leur tête l'école. On le voit maintenant comment les islamistes, ils ont pratiquement fait oui. un coup d'État à blanc et l'État algérien. L'État algérien, il est entre leurs mains. Voilà. Donc, les années du fondamental avec son français demandent exactement ce qu'ils veulent. Oui. Tout à fait, Rachid, c'est que non seulement ils les ont amnistiés ils leur ont donné des pensions et aussi ils ont décrété une loi, c'est comme la loi qui est qui, 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 les lois de l'été passé là, qui criminalise des, des indépendantistes ou autre. Et ils ont fait une loi pour interdire aux familles des victimes de ces 300 000 Algériens assassinés de porter plainte ou de demander justice. C'est interdit même d'évoquer ce sujet-là. Ça c'est sous Bouteflika. En plus, cette amnistie, ils ont donc, euh, ils ont libéré ce qu'ils ont appelé enfin tous les sanguinaires, islamistes, ils les ont libérés et ils les ont appelés des, des repentés, des faux repentés. Mais, mais personne n'a suivi qu'est-ce qu'ils sont devenus ces repentés-là. C'est là que je vais faire le lien avec le terrorisme en Afrique. C'est que la plupart d'entre eux, ils les ont justement envoyés dans les pays du Sahel, au Niger, au Mali, au Tchad, et puis à Burkina Faso, etc. Et ils ont continué, ça, je ne délivre aucun secret. elle al dans euh, isla, des islamistes nés pour le Maghreb, c'est tous des anciens repentis à des anciens terroristes euh, qui ont sévi en Algérie pendant dix ans, ou bien euh, des, des militaires aussi, ceux qui les ont cadrés, qu'ils ont envoyés là-bas. Et puis, ils ont continué à faire, à faire le djihad, comme je te dis, leur feuille de route, c'est le djihad, c'est l'expansion de l'arabo-islamisme. Donc, ils ont comme ça, ils sont attaqués à des pays vulnérables comme le Mali. Tout le monde se rappelle de cet attentat que j'ai mentionné de Mokhtar, Bel Mokhtar, c'est un Algérien, c'est qui était à la tête d'une Katiba, là, de qaïda qu'ils ont attaqué Tigunturin, à euh, une menace en Algérie. Après, ils ont ouvert des camps d'entraînement, des camps d'entraînement euh, terroristes au Mali, au, au Niger. Et ils c'est eux qui ont formé, en fait, les autres terroristes africains de Boko Haram. Boko Haram, il y a des tas de maintenant d'indices, en fait, de, de, de révélations qu'ils ont, euh, qu sont, qu'ils ont été entraînés donc par les services algériens avec euh, les bras armés islamistes algériens. Donc euh, après, ils ont essaimé Boko Haram. Ils sont, des, ils sont venus du Nigeria. Et euh, je lisais euh, l'autre jour là qu'il y avait euh, que Boko Haram a Ils avaient par exemple, prêter allégeance. Ils ont prêté allégeance à l'ACMI, donc aux islamistes sanguinaires algériens, en 2010. En 2010, leur chef, le chef de l'ACMI, c'était Abdelmalek Droukdel. Donc, tu vois que tous les chefs, c'est des Algériens, de ces terroristes africains. Abdelmalek Droukdel, il ils lui ont prêté allégeance, les, les branches de Boko Haram, à leur tête, à Bobakar Chikou. Donc, ils ont envoyé des hommes pour se, se faire former dans les, les camps d'entraînement là -bas. Il y a aussi, euh, euh, en 2011, un certain Aboul Kaka, euh, qui était un, le porte-parole de Boko Haram, là, il a affirmé que sa secte, Boko Haram, entretenait des liens avec Al-Qaïda euh, en vue de s'entraider. Donc, il y a eu aussi, euh, Rachid, deux... Selon un expert français, Denis Eric, en 2011, il y avait deux douzaines de Nigérians qui sont, de Boko Haram qui sont formés par l'ACMI au Niger en 2010. Donc, ils avaient des camps d'entraînement, des bases d'entraînement au en Niger, au Mali. Euh, et puis, euh, c'est comme ça que le Boko Haram, là, il, est, il, a, il a pris de l'ampleur dans toute l'Afrique. Les attentats, maintenant, ils, vont, ils font des attentats même jusqu'au Cameroun et tout ça. Et. Euh, Qu'est-ce qui fait leur puissance, justement Même l'armée nigérienne, qui, qui est une grande puissance en Afrique, elle n'arrive pas à, à venir à bout de Boko Haram. Pourquoi Parce que, euh, d'ailleurs, il le disait, un des chefs du Nigeria récemment militaire, qu'on n'arrive pas à les, à les maîtriser parce qu'ils ont un soutien d'Al-Qaïda et un soutien des, du monde arabe. Il n'a pas cité lesquels pays, là, mais d'après les armes qu'ils saisissent auprès de ces terroristes-là, c'est des armes ultra sophistiquées, russes probablement. Et il vient vient d'où ces armes-là, avec ces groupuscules Est-ce que c'est pas. Ça ne part pas de, de l'Algérie. Les services secrets français, les services secrets américains, je suis sûr qu'ils le savent, ces, ces choses-là. Donc, ces manœuvres-là, parce qu'ils savent ce qui se trame, parce que euh, sur le régime algérien, il a toujours. Je vous dis, il y a une, une politique interne. Officiellement, il essaie, essaie, essaie d'être. Euh, en accord avec, euh, avec la France, mais sous la table, il fait, il fait ses quatre cents coups. Euh, je sais pas si les auditeurs, est-ce est qu'ils ont écouté l'interview qu'a donné l'ex-ambassadeur de France à Alger là, pendant deux mandats, oui. récemment euh, interviewé oui. par Bouygues TV. Oui, il, il, il a fait de Benoui, il a fait de cette oui. interview, c'est ben ça. oui, c'est très important parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle oui. l'énigme algérienne. Et il, a joué... il, il a dit ouais. la crainte de la France actuelle, c'est que là, ils ont préparé une nouvelle génération de militaires ouais. islamisés qui risquent de prendre le pouvoir. Voilà, je, 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 je l'ambassadeur qui nous dit, euh, Je pense malheureusement que c'est trop tard pour eux. Okay. Dans l'armée, ils sont, ils sont islamisés, ils sont fanatisés. Et puis leur slogan, même leur marche militaire, ils, crient, ils poussent des cris antisémitiques. Hein, c'est une armée antisémite fanatisée à bout. Mais ce que je voulais dire sur les propos de l'ambassade de France avec son livre, L'énigme algérienne, c'est qu'il a dit qu'il n'a rien compris après deux mandats, donc au bout de huit ans à peu près de vie en Algérie, il n'a rien compris. Pourquoi Parce qu'il connaît... En fait, Peut-être qu'il ne veut pas le dire. Ou bien il est naïf, il ne connaît pas cette, euh, cet agenda caché du régime algérien. La feuille de roté de Nasser, c'est celle-là qu'il poursuit. Là. Un agenda caché, c'est l'arabo-islamisme. Pas seulement de l'Algérie, mais de l'Afrique du Nord et de l'Afrique, maintenant saharienne aussi, enfin, du Sahel, les pays du Sahel. Et même l'Europe, il oublie son propre pays, que l'islamisme, il a infecté la France, il est devenu le sujet numéro un actuellement des débats politiques et français en France. Donc ils ont exporté, cette caractéristique du système, c'est qu'ils veulent l'expansionnisme arabo-musulman. Donc ils ont exporté aussi en France, ce n'est pas les Saoudiens, c'est pas les Qataris qui sont à la tête de tous ces groupes islamistes en France, c'est des Algériens, c'est clair. Donc ils s'expansionnent vers le nord et puis vers le reste du continent africain. Voilà un peu leur projet de société. On n'a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, ce, ce système-là. Évidemment, euh, l'autre, tu as mentionné qu'ils ont, euh, le Bouteflera, le euh, leur euh, ont cédé le système d'éducation. Il a aussi multiplié la construction de mosquées à une vitesse vertigineuse, surtout, surtout dans des zones qui ne sont, sont pas acquises bah, historiquement. Comme la Kabylie ou, ou ailleurs, là, dans des régions un peu qui veulent rester la plus ou moins laïques. Ils ont multiplié la construction de mosquées, ils contrôlent le système d'éducation et, euh, et ils ont remis effectivement le hijab à toutes les Algériennes depuis euh, cette, cette période-là. Ouais. Donc pour eux, c'est un bénéfice net, enfin c'est un résultat net pour ce régime-là. Et. Euh, en fait, ces groupuscules maintenant en Afrique extrémistes, ils ont tout ça à l'esprit. Ils se disent la recette qu'ils ont utilisée en Algérie pour massacrer 300 000 Algériens, c'est la bonne recette qu'il faut faire pour expansionner. Et c'est ce qu'ils font aussi en France. Ils tuent, ils assassinent aussi, ils font des attentats, ils égorgent même des professeurs. Ils créent le même climat qu'il y avait à Alger dans les années 2000 là, en France et puis dans les pays africains. Ils terrorisent aussi le Mali, le, le Niger, etc. Donc, c'est la méthode de djihad, guy moderne, de, hein, de, de, de l'islamisme. Voilà leur politique à quoi ils se résument. Et maintenant, euh, pour un mot sur la Kabylie, évidemment, on a vu qu'il y a des génocidaires qui se sont réunis il n'y a pas très longtemps, il y a, il y a deux ans, là, à Bélasid et à et tous les. Les gens qui étaient réunis là quand ils ont déclaré l'opération Zéro Kabil c'est une opération génocidaire de pratiquer un génocide, ils sont toujours en liberté. Hein. Ils sont toujours en liberté. Il n'y a aucun qui était inquiété, ni par, alors qu'ils sont en train d'arrêter des gens qui revendiquent des droits élémentaires, des droits fondamentaux, ces sanguinaires, génocidaires, ils sont toujours en liberté en, en Algérie. Euh, euh, à euh, dès qu'il y, y a un Canada, au Sénégal il y a un discours à la communauté. Là, il y a un discours euh, avec l'ambassadeur des États-Unis à la foire d'Alger et il y a un soutien des Canadiens. C'est un peu bizarre quand même de demander aux États-Unis des Canadiens en cette période, sachant que euh, l'été approche. Donc, euh, demander aux États-Unis, c'est pas au Canada, alors que les États-Unis préparés les exercices militaires. Euh, à euh, quoi il joue là Tout est, tout ah bah, est tout il, il, pense, il pense qu'il est dans un bazar, hein, sur le marché de bazar à Téhéran. Il pense que les États-Unis peuvent les, les acheter, les acheter avec quatre avec ou cinq canadiens là, en suivant des canadiens. Et pourquoi il ne demande pas, pourquoi il demande pas aux voisins directs demande pas direct qu'il les fabrique le Canada ou aux résidents de fonds communauté algérienne à parce qu'il euh, n'a pas peur du Canada probablement comme il a peur des États-Unis. Les États-Unis, ils le savent. Ils savent que c'est eux qui ont brûlé la cabine. Donc, euh, c'est une façon... En fait, euh, il se démasque lui-même en faisant ce geste-là. C'est tout ce qu'il gagne avec ça. Mmh. Ça veut dire qu'il dit aux États-Unis, ah, ben non, là, je vais acheter des Canadiens pour... C'est de la diversion et puis en même temps, il y a une peur derrière, une peur de la menace. En fait, euh, les États-Unis vont pas... Ils vont demander des comptes tôt ou tard à ce système-là. Mm. Parce que c'est aussi bien sur la décennie noire que sur euh, les incendies les criminels en Kabylie, euh, il n'y a rien qui leur échappe, euh, les, les Américains. Et actuellement, surtout dans leurs euh, discussions sur la stratégie, là, euh, avec, avec les Marocains, avec l Israël. L Israël aussi participe à ces manœuvres militaires. Mm. Non euh, donc ils, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Paradoxalement, comme tu connais Arachid, hein, les Américains sont beaucoup plus pragmatiques que les Français. Les Français, euh, on a vu le, cet ambassadeur-là qui était désemparé. Et pas, il n'a rien compris à, à ce système-là parce qu'ils euh, ne sont pas pragmatiques. Ils poursuivent leurs intérêts économiques, ils et puis euh, ils ne veulent pas trop en dire qu'ils sont coupables un peu de toucher à cet euh, islamisme-là. Euh, alors que ce n'est pas le cas des Américains. Je crois qu'ils savent très bien euh, à qui ils ont affaire. Et c'est pour ça qu'il s'est précipité à la fois, à mon avis, de faire semblant qu'il va demander des canadiens maintenant, qu'il va devenir correct ou quelque chose comme ça. Voilà ce que je euh, pense à la à ce... Oui, juste oui. un petit mot, Rachel, sur ces manœuvres-là, j'ai vu que tous les pays de la francophonie, de la francophonie participent pratiquement à cette, à cette opération-là, à ces exercices-là. Euh, puis euh, le Sénégal, la Tunisie, etc. Et on sait que aussi le régime algérien, j'ai dit que ça fait de route, c'est l'expansionnisme arabo-musulman, mais aussi s'attaque à la langue française. Nous sommes ici au Québec, un pays francophone, et il, il a déployé des moyens colossaux pour s'attaquer à la langue française aussi. Mm. Parce que euh, qui sait les euh, trapper cet ambassadeur Il a dit que le centre culturel français à Tizouzou, il l'enfermait depuis 1994. Et il ils n'ont aucun argument qu'ils lui ont opposé contre, parce qu'ils s'opposent à la réouverture, alors qu'il y en a d'autres dans toute l'Algérie. Ils s'attaquent en vérité, toujours à la même, aux autochtones, aux Kabyles, qui, qui maîtrisent la langue française, et qui ont des écrivains, et ont, ils ont toute une contribution à la francophonie. Donc, il nous mène une double guerre hein, contre le, la, le Kabyle et contre le français aussi. Et il faut que nos amis qui nous écoutent, là, francophones, prennent conscience de ça. Et, euh, pour le Québec, la fête nationale du Québec, pour, pour promouvoir la langue française, il faut qu'ils sachent que ce pays-là déploie des gros moyens pour éradiquer la langue française de l'Algérie. OK mmh. Parce que ça ne dérange pas une langue. Là, ils veulent switcher. À partir de la rentrée prochaine, vers l'anglais avant, pour continuer leur guerre contre la langue française, contre la francophonie. Voilà. merci avec plaisir. Voilà, professeur Hossein. Yahia, à chaque fois, des items de la question géopolitique, des enjeux géopolitiques mondiaux, etc. El Hossein Yahia, auquel nous allons décrire cette solution, la